Good morgen, allez, Eden, tu seras aujourd'hui le Nishmat Richard Aaron Ben Fortuné Mazal et Claude Yitzhak Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez aussi aider notre chaîne YouTube de Mishnah à contacter les 5 minutes éternelles, nous étions à Serach Kalim, Paridalet, Mishnah Dalet. Motar Teruma, Mehayu Osimba, Rikuei Zahav, Tzipui le Bet Kutchei Yakodashim. Rabbi Shmuel Omer, Motar Aperot, le Kaitz Amizbeach. Motar Teruma, le Klei Sharet. Rabbi Akiva Omer, Motar Teruma, le Kaitz Amizbeach. מותר נסחים לכלי שרת. רבי חנינה, סגן הכהנים, אומר, מותר נסחים לקיץ המזבח, ומותר התרומה לכלי שרת. זה וזה לא היו מודים בפירות. Une משנה, en rapport avec ce qu'on avait appris dans la משנה précédente, sur un détail. D'abord, j'ai entendu, on parle, d'abord, le principe de la משנה, c'est de parler des, comment dire, des excédents qui nous restent, à la fin de l'année, de l'argent qu'on avait récotisé pour en faire des corbanotes. C'est-à-dire, lorsque on voulait faire des corbanotes toute l'année, des corbanotes publics, on récoltait l'argent depuis Adar pour que, dès que débute Nissan, on a l'argent de la nouvelle année, et puis on part pour un an avec l'argent qui est récolté durant cette année. Le supplément de l'argent maintenant, on ne pourra plus l'utiliser pour l'année d'après pour apporter les corbanotes, parce que chaque mois, midechodesh bechodesho, on doit apporter chaque année, on doit apporter les corbanotes avec l'argent de cette année-là. D'accord? Du coup, on s'intéresse à savoir dans la Mishnah, dans nos Mishnayot maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les excédents? Alors, il faut bien différencier entre la motar alishka et motar atrouma. À savoir, motar alishka, c'est la lishka où, lorsqu'on a récolté tout l'argent, on l'empilait, on le mettait dans une lishka, dans une cabine là-bas, et puis il fallait partir à trois reprises dans l'année, ramasser avec un seau, ramasser plein d'argent, et que cela en utiliser pour faire les corbanotes. Du coup, ce que l'on a retiré, c'est devenu spécifique pour les corbanotes. À la différence de ce qui est resté, ça prend pas un statut de corbanote, il s'avère que maintenant, il pourrait être utilisé pour toutes sortes de choses moins kadosh. On va pas dire profane, c'est pas vrai, mais même l'entretien de la ville, l'entretien des murailles et tout ça, c'était payé avec cet argent de la tourma telishka, d'accord? Maintenant, la Mishnah me dit, donc on a expliqué qu'est-ce qu'on faisait avec la tourma, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les motar trouma, avec le supplément de la trouma, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait prélevé les seaux, on a maintenant un gros seau plein d'argent pour utiliser les corbanotes de Pessah jusqu'à Shavuot, de Shavuot jusqu'à Sukkot et Sukkot jusqu'à Pessah d'après Kissu. Il s'avère que maintenant, il y a eu dans un des seaux, on a gardé une plein d'argent. On n'a pas tout dépensé. Qu'est-ce qu'on en fait? Trouma talishka, motar alishka. L'excédent de la lishka, de la motar trouma, de la trouma, qui était qu'on a prélevé, donc ce qui est dans le seau. Le principe, il est très simple. Si tu l'as, il était dans le seau, donc c'est devenu pour des corbanotes, il faut que tu donnes quelque chose en rapport avec les corbanotes. Si ce qui est resté, la trauma talishka, le shira alishka, c'est plus prédestiné pour les corbanotes, dans ce cas-là, l'excédent aussi ne sera pas prédestiné aux corbanotes, comme ce qu'on va voir. Donc, motar trauma, l'excédent de la trauma. Une fois que tu as dépensé tout l'argent, tu as acheté le corbanot tzibour pour toutes les fêtes et tout ça, il t'en reste dedans. Jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Mais à Yosinba, qu'est-ce qu'on en faisait? Alors, la Mishnah proposait une solution. Riku et Zahav tzipouille les bêtes kodché à Kodajim. Riku et Zahav. On en faisait des fines fleurs d'or que l'on recouvrait par leur ensuite avec elles le bête kodché à Kodajim. Le kodché à Kodajim à l'intérieur, de là où il y avait le haron, c'était tous les murs en or. D'accord? Les murs en or, c'est-à-dire c'est des fines plaques d'or, c'est pas très compliqué, c'est pas des fortunes très grandes, j'ai entendu. Et on prenait donc on faisait des fines plaques, on les collait sur les murs à chaque fois, parce que j'imagine qu'après le temps, ça devait se détériorer un peu. Alors on recollait de nouveau des plaques d'or avec le reste de l'argent de la tourma telishka. D'accord? Ça, c'est. Il y a une petite difficulté dans cette mission, j'expliquerai ensuite que maintenant on va voir trois avis, qu'apparemment ils vont donner une autre destinée à ce motar alishka, à Trouma. Donc on va voir 30 secondes, d'abord on avance. Rabbi Shmuel me dit, motar à perot, les kaïtsa misbeach, l'excédent des perotes, des fruits, on ne sait pas c'est quoi pour le moment, donc ça va aller pour le kaïtsa misbeach. On va en faire de ça du kaïtsa misbeach, le kaïtsa misbeach, des kaïtsot, littéralement des fruits d'été. On s'en fait des figues, lorsqu'on se confine un repas, l'usage était de manger des fruits, des figues, pour passer sur une petite touche douce. Et du coup, le mot kaïts, qui définit les figues, parce que les figues, on les mange à la fin de l'été,
Et donc, ça a défini en fait toutes sortes de. C'est défini des holoth qu'on achetait sur le coin des frais de la caisse publique pour que le misbar soit toujours occupé en train de brûler de l'argent. Il ne fallait pas que le misbar vide. Vide, d'accord? Ça, c'est dans l'exégèse, c'est quoi le Ketzer Misbar? Le Rabbi Shmuel, il me dit, vous vous rappelez dans la Mishnah précédente, on avait expliqué qu'il y avait une marque de Rabbi Kiva, Rabbi Shmuel. Est-ce que, concrètement, le Gdesh fait du business avec les motards Shir Alishka? Parce que c'est des excédents des Shir Alishka, des réseaux de Alishka. On avait Rabbi Shmuel qui disait que le Tamigdash, il allait acheter des fruits et investir dans des matières premières nécessaires pour les corbanotes, par exemple, pour les revendre pour ensuite gagner un petit supplément. Du coup, selon Rabbi Ishmael, il s'avère qu'on peut avoir concrètement un excédent supplémentaire parmi un supplément à l'excédent d'argent. D'accord? Il restait après, à la fin de l'année, il restait 1000. On a fait du commerce avec les 1000, on a gagné maintenant 1500. Alors, les 1000, ils ont un statut de motard, lishka, shira lishka. Et le gain qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle ici les motards perot. Le fruit, l'excédent lié au fruit, c'est-à-dire le fruit qu'on a gagné. Alors on en fera sur ça du Keïtsa Misbéar, on apportera des corbanotes, comme on a dit, pour que le Mishkan soit, le Misbéar soit toujours occupé en train de brûler de la viande. On mota à Trouma, et par contre, l'excédent de la Trouma, de ce qui te reste dans le seau, eh bien tu en feras les clés charrettes, tu en feras des ustensiles pour le Betamikdash, des ustensiles, il y avait besoin de fourchettes, de fourches, de couteaux, il y avait même besoin bien sûr d'ustensiles pour pouvoir réceptionner le sang, du corban pour l'asperger. Tous ces ustensiles, on les faisait avec l'excédent de la trouma. Le principe, il est relativement simple. C'est que d'abord, donc, d'après Rabbi Shmuel, d'abord pour le motard perot, l'excédent qu'on a fait, alors ça on utilisera des corbanotes, d'accord, c'est admis. Il y a le motard trouma, le reste de la trouma, ce que tu as prélevé. Maintenant, tu l'as prélevé, donc tu l'as prédestiné pour les corbanotes spécifiquement. La Mishnah l'a vu m'enseigner, sache que tous les clés charrettes, tous les ustensiles que tu utilises pour faire un corban, ils sont marchirés corban, ils peuvent être aussi achetés avec l'argent qui était prévu initialement pour les corbanotes, donc le motard à trouma. D'accord? Il y a un problème technique maintenant, c'est que le premier avis m'a dit qu'avec l'excédent de la trouma, tu fais des fines plaques sur le mur. Et là maintenant, il dit avec l'excédent de la trouma, tu en fais des clés charrettes, des ustensiles avec lesquels tu vas faire le service au Beth-Amikdash. C'est prouvé, je ne vais pas rallonger dessus, regardez le Tiferet Israël et le Melech Shlomo si vous voulez. Il explique qu'en réalité, tout ça, c'est l'avis de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel est venu, il est tout simplement venu m'enseigner que avec les restes de la trouma, tu n'es pas obligé de faire forcément des corbanotes publics. Tu peux aussi en faire toutes sortes de choses qui vont servir à faire des corbanotes publics. En l'occurrence, pour pouvoir faire le corban, il faut qu'il y ait le Mishkan qui soit en bonne place. Et donc tu pouvais le Kodesh HaKodashim. Donc tu pouvais partir mettre aussi des plaques d'or là-bas avec cet argent, c'est aussi prédestiné pour le corban. Et idem, là maintenant comme ce qu'on découvre, que le maître Rabbi Shmuel aussi, je dis, tu peux aussi faire des clés charrettes, acheter des ustensiles nécessaires pour faire le service du Beth Hamikdash. Rabbi Akiva Omer, maintenant Rabbi Akiva il me dit non. Motara Tourma, les Kaitsa Misbar. Ce que toi tu pensais que c'était avec les restes des perrotes, moi Rabbi Akiva, tu te rappelles dans la mission précédente. Je t'avais dit que on aide Mr. Michel avec Gdesh, on ne fait pas de business avec l'argent du Gdesh. Donc il n'y a pas de motard perrot. Ça n'existe pas, il n'y a pas de motard perrot, il n'y a pas de reste de perrot. Il peut juste avoir des motards à l'ishka. Alors pour les motards à l'ishka, là je suis d'accord avec toi. Alors, pour le mode de motard à Trouma. Pour le motard à Trouma, je suis d'accord avec toi qu'on va le faire cette fois-ci les Keïtsa Misbar. C'est-à-dire, pour pouvoir acheter les Keïtsa Misbar, les fameux corbanotes qui brûlaient constamment sur le Misbar. Rabbi Shmuel, il me dit, tu le fais avec le reste de la tourma. Rabbi Akiva, il me dit, excusez-moi. Rabbi Shmuel, il me dit, tu le fais avec le reste des perrottes, l'excédent des fruits lorsque tu fais du business. Rabbi Akiva me dit, il n'y a pas de fruits avec lesquels tu fais du business. Tu le feras avec les restes de la tourma, de ce que tu as prélevé. Puisque maintenant, l'argent que tu as prélevé, il est prévu pour faire des corbanotes, fais des corbanotes avec lui. Et achète les Keïtsa Misbar. Au motard Nesachim, les clés charrettes. Et maintenant, avec les restes des Nesachim, alors là, c'est une autre histoire. C'est simple. C'est que c'est simple, c'est compliqué, c'est pas vrai. Ça pose plein de problèmes à l'Afrique, qui sont pas un problème. Je vais expliquer. Si je veux voir un commerçant, et je lui dis, bon, je te paye tout de suite 1000 shekels, avec 10 shekels le kilo de farine, tu me donnes de la farine pour toute l'année. Je peux faire ça. Je suis coté sale perrot. Il y a des par rapport à les zones chères dans le problème de Rubit.
En général, il n'y a pas de problème de le faire maintenant. Si, en théorie, si j'ai fixé maintenant que j'allais acheter à 10 shekels le kilo, si maintenant, en cours de route, l'argent, il va, le prix du kilo il va augmenter, il va passer à 20, moi je continue à payer 10. Et si le prix va baisser, alors si le prix baisse, en théorie, lorsque je vais le voir pour mon profit personnel, le prix baisse, je dois malgré tout le payer au prix que j'ai fixé. J'ai peut-être une éventualité de réclamer l'argent en retour. On laisse ça de côté pour le moment, c'est pas tellement notre sujet. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que Rabbi Akiva va me dire, sache qu'avec avec l'argent du Hekdesh, le Hekdesh aussi, il faisait la même chose avec des commerçants. Il allait voir les commerçants parce qu'on avait besoin de semoule, on avait besoin de vin, d'huile. Il allait les voir, il leur donnait de l'argent. Il fixait que tu allais me donner maintenant pour toute l'année 10 shekels le kilo. Pour le Beit HaMikdash spécialement, lorsque le prix baisse, eh ben on peut annuler la vente et on récupère dans ce cas-là avec le bon prix. Tu es obligé en fait de me donner avec à mon avantage tout droit. Si le prix augmente, tu payes. Tu payes ce que tu as fixé. Si le prix baisse, tu donnes en contrepartie le prix que ça coûte aujourd'hui. D'accord? Alors ça, c'est ce qu'on va appeler le motar nesachim. C'est l'excédent des nesachim. C'est-à-dire qu'en fait, la caisse du Hekdesh, elle s'est enrichie de cette manière. C'est pas qu'on a voulu faire du business concrètement, c'est pas comme le cas de précédemment de la Mishnah. On n'a pas voulu faire du business, mais malgré nous, le business il est venu à notre porte. Alors on prend, on a gagné. Alors maintenant, le motar nesachim, avec l'excédent des nesachim, sur ça, Rabbi Akiva me dit, eh ben, tu en feras des clécharettes. Tu en feras des clécharettes, des ustensiles avec lesquels tu feras la Aveda. Soit en fait, ils se sont un petit peu inversés, plus ou moins. Rabbi Akiva il me dit en fait, le motar à tourma, est-ce que toi Rabbi Shmuel tu utilises le motar à tourma pour en faire des clécharettes, des ustensiles? Ce motar à tourma, moi je l'utilise pour faire le Ketsa Mizbeach. Mais le motar Nesachim, l'excédent des Nesachim, cette fois-ci ça ressemble un peu plus à toi. C'est quelque part du business, c'est pas qu'on l'a fait volontairement, mais que malgré nous, la caisse du Hekdesh, elle s'enrichit. Alors ce motar Nesachim là, cette fois-ci, tu en feras des clécharettes. Et Rabbi Hanina Sganakom, on dit, motar Nesachim, il inverse Rabbi Akiva. Il va me dire, motar Nesachim, les Kaïtsa Mizbeach. Au contraire, les restes des Nesachim, puisque tu l'as prévu pour en faire des korbanot, l'argent des Nesachim, c'était prévu pour prédestiné pour l'offrir en korban. Alors là, au contraire, tu vas lui garder cette fonction de venir en guise de korban avec l'excédent pour faire en fait du Ketsa Mizbeach pour faire les korbanot qu'on brûle constamment. Tandis que motar Atourma, au contraire, c'est du de plus que besoin. Motar Atourma, l'excédent de la Trouma, de ce que tu as prélevé, alors lui, tu l'utiliseras les clécharettes. Tu pourras, si tu veux, l'utiliser aussi pour les clécharettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le même principe, motar korban qui marchir korban qui korban. Ce qui te permet d'offrir un korban, c'est aussi inclus dans l'argent qui est prédestiné pour les korbanot, ça implique les korbanot et ce qui est nécessaire pour faire les korbanot. Et la Mishnah conclut en me disant, Zevazé, loyum modim baferot. Quoi qu'il arrive, Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, et Rabbi Akiva et Rabbi Hanina Sganakwanim, tous les deux sont d'accord qu'il n'y a pas de cas de figure où il y a des perrotes supplémentaires. Des perrotes de l'excédent parce que tu as fait du business, ça n'existe pas selon eux. Donc du coup, si vous faites attention, s'ils ne sont pas tous symétriques, il y a Rabbi Shmuel, il a parlé du motard perrotte, parce que c'est quelque chose qui existe que d'après Rabbi Shmuel, il a parlé des motards à Tourma. Tandis que Rabbi Akiva, la Bichlal, pas parlé des motards perrotte. Il a parlé que de motard Tourma et motard Nesachim. Motard Nesachim, c'est un petit peu, ça ressemble un peu au motard perrotte, mais c'est pas concrètement la même chose. C'est pas con, le là, on va ouvrir un petit kiosque pour mettre un Mikdash. Voilà, d'accord? Et voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une pleine de Hatzlacha, comme tout ça.